Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Attends, eh oh, la musique. Oh. Calme-toi, frère. Attends, tac. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est juste en fait, il n'y a pas le même son dans mes oreilles que dans les vôtres, donc c'est un peu perturbant des fois. Je sais pas à quoi c'est dû, du tout, mais vraiment bizarre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, pardon. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, grand jour. Pourquoi? Pourquoi grand jour? Parce que je fais autre chose que du GeoGuessr. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça faisait longtemps que j'étais sur GeoGuessr et il fallait changer un petit peu, quoi. Tu vois? Alors en vrai, c'est bien GeoGuessr, mais il faut quand même pas oublier que d'autres jeux existent et que ils sont tout aussi intéressant à stream. Donc moi j'ai pu faire en sorte de potentiellement avoir une PS5, bien sûr, que je n'ai pas du tout volé, bien sûr. C'est juste que mon frère l'avait sur son bureau, il l'utilisait pas. Voilà, moi grand prince, j'arrive, je lui prends, tu vois. Moi je suis là pour que la console fonctionne, tu vois. Elle va pas tomber comme ça, à l'abandon, et personne n'y joue. C'est triste. C'est triste. Donc voilà. J'ai une petite PS5. Et je vais jouer à Ratchet & Clank. On va jouer à Ratchet & Clank aujourd'hui. Rift Apart. Avec, bien sûr, mon accent de fou. Quoi? Comment ça, mode repos? Malade. Ouais, c'est un jeu qui, à la base, était sorti, bah, du coup, exclusivement sur PS5. Il s'avère qu'il est sorti il n'y a pas longtemps sur PC, je crois même pas un mois, tu vois. Sauf que moi, mon PC, bah, franchement, je pense qu'il va exploser, hein, si je lance ce jeu. Et en plus, je stream. Salut Titou, comment tu vas là? En ce dimanche, tranquillou. J'ai froid à la limite. Genre, les autres jours, je me plaignais d'avoir chaud. Là, j'ai vraiment froid en fait. Moi, je vais fermer la fenêtre. C'est peut-être un signe, attendez. Hop. Comme ça, on est pas mal. Je l'ai fait il y a quelques temps sur PS5, un de mes jeux préférés. Oh, trop cool! Trop cool, trop cool. Je savais pas que t'avais la PS5. Là, comme un dimanche, ok, je vois. Un dimanche tranquille. On se pose. Je l'ai pensé comme il faut. En vrai, j'ai vu que le jeu était pas si long, à vrai dire. Donc, je sais pas si ça va nous durer énormément de temps en stream. Mais bon, tu vois, à la limite, c'est pas si grave. Je suis content si ça dure le temps qu'il faut. Bah, c'est pas mal. On fait platine. Ah ouais, ok. Le mec s'est mis bien. Ça t'a pris combien de temps à peu près tout ça? Ah, par contre, j'ai la lampe qui est sur le chat. Attends, tu sais quoi, je vais mettre là. Le chat, c'est pas grave. Sinon, on verra rien. Et ça sera un petit peu embêtant, quoi. Voilà. Comme ça, on est bien. Parce que moi, j'ai vu que ça durait à peu près. Attends, je vais mettre la cam. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que c'est bien éclairé? Est-ce que c'est bien rangé derrière? Absolument pas. Il y a ma ceinture. Il y a ma ceinture. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non. Allez, hop. Alors, ouais, oula, je sais plus combien de temps ça m'a pris. Une trentaine d'heures, peut-être. Ok. Bon, ça va quand même, une trentaine d'heures. Moi, il y a un site qui s'appelle How long to beat? Et du coup, ce site, il te permet de voir genre en combien de temps tu es censé finir un jeu. Mais bon, après, ça dépend de tout un chacun, bien sûr. Les stats, je vais regarder. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Je savais pas que tu avais une PS5. Ah, ça se met bien. T'as joué à quoi un petit peu dessus? Est-ce que t'as des jeux à me conseiller? Parce que moi, j'ai le PS Plus, tu vois. Donc en vrai, avec le PS Plus, j'ai accès à pas mal de jeux. Donc c'est pas mal. Pas mal de PSVR. Ok. Ah, j'ai jamais fait ça, la PSVR. T'as le casque et tout? C'est bien ou pas? Parce que moi je suis pas. Je suis pas. Pas très VR. J'ai testé quelques fois, mais c'est pas mon truc préféré, quoi. Je sais pas. Ça donne un peu le tournis et tout. C'est bizarre. Oui, c'est cool, je jouais déjà pas mal sur PS4 avec le PSVR 1. Ok, t'es un aficionado du PSVR alors. Et je suppose que tu as dû en racheter un autre quand t'as eu la PS5, c'est ça?
Évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà. Ouais. Bon, après, ils t'ont eu. Ils t'ont eu, ils t'ont eu. Prenez mes sous, Sony. Ah, bah écoute. Moi, pour l'instant, il n'y a aucun de mes sous. Ah, bah si. J'ai dû reprendre le PS Plus pour jouer, pour avoir tous les jeux. Donc, en vrai, si, j'ai mis quelques sous à Sony. Mais pour le coup, c'est pas moi qui a payé la PS5. Donc, tranquille. Franchement, ça me va. Non, non, mon frère, il a abusé. En gros, il a. Ouais, il a une bourse. En fait, il y a une bourse maintenant que la région te donne quand tu commences tes études. Sauf que lui, il a arrêté les études en plein milieu. Il a continué à utiliser sa bourse. Du coup, au bout d'un moment, il va devoir rembourser. Hein. Il a acheté une PS5 avec la bourse. Un malade. Quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et ouais, t'inquiète et tout. Je fais, ok, bon. Tu sais que tu vas devoir rembourser à un moment. Hein. Vu que tu vas plus en cours, la bourse, elle marche plus, quoi. Ouais, t'inquiète. Ouais. Pas sûr que c'était le bon plan, mais en tout cas, on peut jouer à Ratchet & Clank aujourd'hui grâce à la bourse de la région Normandie. Donc merci à elle de sponsoriser ce live. Aucun souci. Mais sinon, ouais, j'ai vu qu'il y avait Ghost of Tsushima qui pourrait être intéressant à faire. Vu que c'est un jeu, une exclue PS5, tu vois. La sponsor de rêve, en vrai. En vrai, sponsor de fou, hein. C'est pas mal. Cool aussi. Ouais, je pense qu'on va le faire après Ratchet. On va pas faire en même temps parce que sinon ça fait trop de jeux PS5. Et de toute façon, j'ai déjà pas assez de temps pour stream. Enfin, je prends pas le temps pour stream en ce moment suffisamment, je trouve. Donc, moi aussi, je vais me battre. Ça va être chaud de faire deux jeux différents, quoi. Déjà, enfin, trois jeux. Deux encore, ça va. Ouais, bon, à voir. À voir si j'ai vraiment une des terres de fou. Et en plus, sachant que la semaine prochaine, je suis pas là. Et du coup, tu streams sur PS5 ou tu joues sur PC? Non, là, je suis sur PS5. Sur PS5. D'ailleurs, tu vas me dire, parce que c'est la première fois que je stream la PS5, donc je sais pas si les settings sont bons. Tu vas me dire si c'est bon. Bon, déjà, là, on voit rien, donc ça commence bien. Je pense. Attends. Hop. Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. Ah! What? Ok. Attends, j'avais bien branché en fait. Ok, ça a l'air bon. Alors, déjà, est-ce que j'irai pas ailleurs? Parce que là, peut-être pas la meilleure position. Genre, je vais me mettre là. Là. Je sais pas comment ça se passe. Ratchet & Clank. Déjà, je vais jouer comme ça. Du coup, si je joue comme ça. Ah putain, c'est dégueu. Attends, ma cam là. Hop, c'est quoi on va recut. Hop, comme ça là. Magique, eh oui, c'est magique. Comme ceci. Là, ça devrait aller. Mais non, le son. Ok, j'entends un peu. J'entends un peu, donc vous, je suppose que c'est pareil. Genre, si je mets à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves que c'est trop fort? J'entends bien, oui. T'entends bien, vraiment bien, ou... On verra après quand on sera en jeu, parce que... Il y aura évidemment le son du jeu, et là, ça sera peut-être un peu plus représentatif de ce qu'on a maintenant. Mais bon. Du coup, voilà. On a le petit Ratchet & Clank. Et moi, attends, juste avant de partir dessus, pour l'historique, un petit peu, je voulais montrer. Moi, c'est... J'ai joué en fait à Ratchet & Clank Gladiator. Je sais pas si tu connais Titou. C'est un jeu qui est sorti sur. Hop! Merde, super. Sur PS2. Nope. Et bah écoute, il est sorti sur PS2. Moi, j'ai pas un passif de fou en vrai avec Ratchet & Clank. Mais j'avais beaucoup aimé à l'époque celui-là. Donc en vrai. C'est pour ça que ça m'a chauffé de le faire, quoi. Non, c'est même pas lui, là. C'est Gladiator. C'est lui. C'est lui, là. Sur PS2. Et du coup, j'ai juste joué au dernier, moi. Ok, c'était lequel, le dernier, avant celui sur... Ah, celui-là sur PS5, t'as joué? Ok.
Non, parce que du coup, celui-là, il est sorti en 2005. Donc, j'ai dit que j'ai pas joué depuis 2006. Bah, ça doit être à peu près ça, en fait. Je jouais chez un pote qui avait, bien sûr, la PS2. Moi, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. J'étais dans les Nintendo. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de jeux sur Nintendo. Il y a une raison. Hop, d'ailleurs. Hop. Comme ça, là. Je rebouge les cams en même temps. C'est fou. Ok, pour toi, t'as joué qu'à Rift Apart. Eh ben écoute, en vrai, on va y aller, hein. Moi, je suis chaud. Je suis chaud pour jouer. On va voir ce que ça donne. Jamais joué. Mais le jeu avait l'air vraiment cool. Donc écoute, les éléments vont être ajoutés à téléchargement français. Ok. Parce qu'il n'était pas téléchargé en français. Ok, FF. Déjà, ça commence avec un téléchargement. Ok. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça dure pas longtemps. Imagine, ça m'aurait dit, ouais, télécharge le jeu entier. Alors que j'avais lancé hier pour voir si ça fonctionnait bien. J'étais en mode, bon, ça a l'air ok. Ouais, ça va être rapide, ça va. Ça va, ça va. Après, ça, c'est en Wi-Fi sur la PS5, donc c'est un peu moins rapide que quand c'est en Ethernet. Mais ça va, dans l'ensemble. De toute façon, on va pas jouer à des jeux multi, donc en vrai, c'est pas très grave si on a pas le truc opti pour la PS5. Mais bon. En tout cas, ouais, prochain, ça sera sûrement Ghost of Tsushima, comme je disais. Ensuite, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme jeu. Toi, t'as joué à quoi un petit peu, mis à part le PSVR, en jeu un peu plus classique? OMG. Ratchet & Clank, Rift Apart. Alors, est-ce que le son est pas mal? On va voir. Ah, ça, c'est la difficulté du jeu. Jeune explorateur. Resident Evil en PSVR aussi, c'est assez fou. Oula, tu dois avoir. Ça doit faire un peu peur, non? Fall Guys, ouais, FIFA, ok. Ah, ça, c'est déjà un peu plus classique. Ok. En fait, moi, ce que je recherche, parce que en soi, tu vois, moi, j'ai un PC, en fait. Donc, dans ce sens-là, bah, il y a des jeux auxquels je peux pas du tout jouer sur PC. Tandis que par exemple là les FIFA, Fall Guys, It Takes Two, on peut y jouer sur PC. Et d'ailleurs j'ai fait It Takes Two, mais je l'ai fait en off quand je streamais pas. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu, hein. C'est un jeu de fou. Franchement, à jouer en coop, ça régale. Bon, je pense qu'on va prendre mode normal, on va pas se casser la tête. Ça ira très bien. On va mettre de la marrette. On va mettre des sous-titres. Est-ce que je mets des sous-titres? En vrai, c'est peut-être. Hein? Quoi ça? Attends, c'est pas du croate. Ah non, c'est un logis. Enfin, c'est un mode bizarre, non? Je sais pas. Comment ça, du croate? Hogwarts Legacy aussi, j'ai bien. Ouais, en vrai, putain, j'aurais peut-être dû le faire sur PS5 par exemple. Parce que moi, sur PC, je pouvais pas y jouer à fond, tu vois. Parce que bah, mon PC, il est cool, tu vois, mais dans l'idée, il peut pas supporter un mode ultra pour les graphismes pour Hogwarts. Ok, bon, bah ça a l'air bon, hein. Je sais pas ce que c'est le truc texte croate. Death Stranding, ouais, Death Stranding, on m'a beaucoup conseillé. J'y ai pas joué. Horizon, pareil. J'y avais joué au 1 sur. J'avais joué au 1 sur. Sur. Comment ça s'appelle? Paramètres de speedrun. Il y a des paramètres de speedrun, what the fuck. J'avais joué au 1 sur PC. C'est vrai que c'était pas mal. Après, c'est les open world, ça prend du temps, tu vois. Avant, je jouais pas mal à Fortnite aussi. Ah ouais, tu jouais à Fortnite? Est-ce que t'étais le pro de Fortnite? Non, moi je jouais sur PC, j'avoue, je peux pas jouer un FPS avec une manette. C'est impossible pour moi. Après, je suis un joueur PC de base, tu vois. Le Fortnite Pro Player. Exactement, tu faisais des top 1. C'est comment le son là? Est-ce que c'est faible? Pour moi, je trouve que c'est un peu faible. Un poil faible, ouais, vas-y, attends, hop. On va augmenter le son. Comment faire? Tac, boum.
Directement, on passe à 90 de son. Et la qualité est top. Nice. Ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais, est-ce que c'est trop fort? Un petit peu, là. Je vais baisser un petit peu. Mettre 85. Hop. Ok. Ratchet? Is this Ratchet? Ratchet qui se... s'incruste avec des gens. Ah ouais, je suis en full infiltration là. Vraiment, t'as jamais vu ça. Oh! Oh, le kidnapping là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est la merde, c'est la merde. J'aime bien les jeux de puzzle aussi, genre Maquette ou The Witness. Ah, je connais pas The Maquette ou The Witness. Et moi aussi j'aime bien les petits jeux de puzzle que tu trouves sur Steam, qui sont généralement des jeux indés. En vrai, ça régale. C'est assez reposant, on va dire. Et Star Wars, ouais. Ah, Spider-Man, j'avais fait. J'ai fait les deux, le 1 et Miles Morales aussi. Ouais, très cool. C'est très cool, mais c'est vrai que sur PS5 ça doit être encore mieux, je pense. Justement, c'est le genre de plateforme qui est adapté. Oh non, elle va se faire buter! Oh, le Taz! OMG. Attends, quoi? Un giga marteau comme ça? Hey, tout va bien. Regardez. Oh, c'est pas Ratchet! Rivet. Rivette. Faut y aller. Tenez, c'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait. Merci. Ah là là. Voilà, sauveuse, hein. Je la connais pas. Je sais pas si c'est une nouvelle, un nouveau perso ou s'il a déjà été là dans les anciens. Je pense que c'est un nouveau. Call of, je kiffe, mais je préférais sur un lourd PC un jour peut-être. Bah, en vrai, ouais, hein. En vrai, je trouve que les FPS, c'est fait pour les PC, après, chacun son truc. Mais après, moi, je suis plutôt, je... Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur ? CS, Valorant. On n'a rien fait d'héroïque depuis... des années. Et si les gens nous trouvaient ringard ? Oh ! Peut-être qu'on est devenu ringard ! Oh ! Heureusement, nous n'avons pas fait d'héroïque aujourd'hui. Mais non. Hormis sourire et saluer le public. Attendez, ouais. En vrai je vais enlever ma cam parce que c'est cinématique. Je veux un bonheur d'applaudissement pour les invités d'honneur de notre parade. Ratchet non. J'ai des frissons. Voilà là, il est trop beau le jeu, t'as raison. Vraiment il est trop beau. Il est trop beau. Attends, je remets ma tête. Hop. Elle est trop choupie, mais ouais. Alors, pour voir la bio des personnages dans la galerie. Ratchet. Ratchet est prêt à tout pour protéger sa galaxie et se jette généralement bot. Hein? Et se jette généralement bot les premières vers le danger. Ah, but, ok, j'avais pas compris. Son habilité avec un plasmo mitraille n'a d'égal que son adresse avec sa clé et ses traits d'esprit, ok. Dernier lombax de cet univers, Ratchet est un mécanicien qui a grandi seul en rêvant de retrouver les siens. Ah, le mec pense qu'il est tout seul alors qu'en fait il y a Rivet. On pense qu'ils ne se connaissent pas du coup, hein. Pas se mentir. Ok, petite description de notre cher Ratchet. Clank, un clank. Moi, je jouais Clank à l'époque parce que j'étais le joueur 2, quoi. Et j'étais le joueur 2, donc j'étais un peu trop obligé de... un peu obligé de le jouer. Mais bon, ça marchait très bien aussi. Hein. En vrai, tu peux peut-être le refaire, Titou. Hein. Ça a pas l'air d'être... En plus, s'il l'a fait il y a un petit moment... Oh, le marteau! Par contre, c'est la première fois que je joue un jeu avec la manette de PS5. J'ai jamais vu ça. Oh non, toute la galaxie est au courant. Je peux maintenant. Sortir ou pas? Non. Un cadeau? Attends. Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la...
Ah, chat qui pète un plomb. Ok. Comment on frappe? Oh. Ok, ok. Ok, ok, ça frappe. Ça fait longtemps que tu as la PS5? Bah ça fait... Mon frère il l'a acheté, je sais plus, cette année. Hein. Cette année, mais... moi j'ai jamais joué en fait, parce qu'elle était dans sa chambre. Là c'est juste vu que... s'en servait plus, j'ai fait vas-y... vas-y, je veux l'empreinte. Il a fait tous les jeux qu'il avait envie de faire pour le moment. Donc il en avait plus trop l'utilité. Alors, X plus carré pour lancer une attaque puissante avec la clé. Ok, attaque vers le bas, genre. Ok, ok, ok. Mais moi j'ai eu pour le passif, j'ai eu la PS3 et c'est tout en fait. J'ai pas eu plus que ça. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur PS et du coup j'ai plus trop l'habitude d'ailleurs de la manette. Elle a changé depuis, mais... Brise des caisses de munitions pour récupérer des munitions. Ok. Ah, c'est ça. Ok. R2 pour tirer sur les vaisseaux Barg. Ok. Pour tirer avec une manette. Viser avec une manette. Bra-bra-bra-da-da-da-da-da-da-da. Oh putain, mais je suis un pro joueur. Putain, comment... Moi j'ai envie de le frapper au corps à corps. Moi je suis un mec du corps à corps. Je les ai toutes eues de la PS1 et la PS5. Ah ouais, toi t'es vraiment le joueur PS. Je vois, je vois. Attends, ils sont où là? Je vois rien. Ouh. Ah, c'est un méchant lui? Ah non, il faut continuer là, je suis bête. Ok. Quand tu es habitué à la souris, c'est pas facile, mais tu sais pas où. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Et surtout que je suis habitué à la mettre Xbox. Merde. J'ai foiré le seul obstacle que j'avais à esquiver. Ok. J'ai tout... Bon, c'est pas grave, c'était des ballons, mais quand même. Ok, donc on a des bots qui permettent... What? Attends, il se passe quoi là? L2. Ouais, L2 c'est ça. Ok. Ok, il est mort, il est mort. Quoi? What? Oh, le grappin! Oh, j'avais oublié ça. Ok, on peut pas tirer là? Non, on peut pas. En fait, c'est... Wesh. Oh! En fait, c'est... Vu que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Ratchet & Clank, j'ai l'impression, avant celui-là. Alors là, c'est vraiment... dans l'histoire, c'est un peu comme si Ratchet, il était un peu à la... Enfin, Ratchet & Clank, ils étaient un peu à la retraite, tu vois. Alors, c'est giga longtemps... What? C'est quoi ça? C'est giga longtemps qu'ils n'ont pas combattu. Ok. C'est tout? Ouais, ça a l'air bon. On y va. I. Tiens. Boom. Et ça va, ça... C'est fluide quand... Merde. J'ai fait quoi? Ok. C'est fluide quand il y a beaucoup de tirs, tout ça. Que vu que c'est un jeu qui est assez dynamique, ça peut vite être compliqué au niveau de l'encodage. Et sinon, ouais... Ah! Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Attends, mais ça part dans tous les sens, là. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh. Arrête. Ok, ok, ok. Tchon. Voilà, tout top. Parfait, ça. C'est ça qu'on veut entendre. Hi. Attends, il se passe quoi, là? Oh. Tchon. Tchon. Oh, attends, j'ai fait quoi? Ok, mais je prends un coup là. Ok. Hi. Ok. Je veux le détruire ou pas le vaisseau là?
pas si c'est la meilleure idée. Détruit la navette, ok. Sur les ventilos, je suppose qu'il faut tirer. Non, même pas. Ok. Ah si, en bas là. Sur la tourelle en fait. Voilà. Ah mais il a beaucoup de vie. Tiens. Boom. En vrai c'est assez réaliste pour une reconstitution je trouve. Imagine genre. C'est comme si pour les commémorations de la Seconde Guerre mondiale ils refaisaient une bataille en particulier. Avec un public et tout. Bizarre un peu, non? Ah! Les autres étant perdus dans une autre dimension, les autres Lombax que la. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier. Ouais! Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour. J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver. Mais non. Ta famille. Oh. Oh. Écoute, je. Comment ça? Tornefarius, Ratchet des clans. Quelle merveilleuse surprise. Le bâtard. Il a gâché l'instant émotion. Mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Ah. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, Nefarius? Ah. Il va nous tirer dessus, là. Ah non, ok. OMG. Oh, le flop. Pourquoi plus personne n'a pris de mode d'emploi? C'est un film en fait. C'est un Pixar là. Ok. Il se casse. Bon bah c'est parti hein. On est juste de retour dans le service. Ce que j'étais en train de me dire le Pixar. Ah ouais. Salut Régine. C'est vrai que c'est vraiment un film, hein. D'ailleurs, bon, c'est pas fini. Hop. Ouais, le jeu est beau de fou. Incroyable. C'est le Nefarius, comment on fait? Hi. Ok. Ok, ok, ok. Du petit slide. Hop là. Petit instant cinématique. Ok. Eh mais du coup c'était vraiment des méchants. Moi je pensais que c'était pour la reconstitution à la base. Hein? Attends. Hi. Boom. Ok. Voilà mon pote. Bon je vais pas enlever ma cam toutes les deux secondes parce qu'il y a souvent des cinématiques j'ai l'impression. Ça change vraiment. J'aurais dû me douter que Nefarius tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. Ah, c'est trop beau. Choqué. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route. J'ai l'impression que Nefarius a atterri du côté de la gare. Oh, Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Le jeu s'arrête jamais en vrai, ben oui. C'est ça. Bonjour. Alors, bienvenue chez Madame Zurkon, la seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Ah oh là là. Des vendeurs, ça. Un truc que j'ai kiffé dans ce jeu, c'est l'absence de bugs, contrairement à énormément de jeux. Ah ouais? Vraiment, même sur PS5, t'as des bugs? Enfin, dans le sens où... oui, c'est vrai que Day One, pour certains jeux, ça peut être compliqué. Et là, il n'y avait rien du tout. Après, je sais pas. Vu que c'était pas un peu le jeu de lancement de la PS5 aussi. Enfin, c'était un des tout premiers jeux à sortir. Je sais pas s'ils ont plus donné dessus, du coup. Alors, tout détruire un tir à la fois devient lassant, régale-toi en annihilant tes ennemis avec ce canon à double plasma, deux fois plus de puissance de feu, deux fois plus de fun. Ok, bah j'achète les deux. Attends, non, je peux pas. Utilise L pour comparer les armes et appuie sur... Ok. Ok.
Ah oui. Oui, c'est un des premiers jeux, il est clean. Bah, franchement, il est archi clean. J'avais vu à l'époque quelques streams rapidement et j'étais choqué de comment était le jeu en fait. Ok. Ok. Et ça, c'est quoi? Ok. Ça c'est le genre de truc que je vais full foirer et je vais pas réussir à bien le placer. C'est sûr, c'est sûr. Après, je sais pas s'il y a un mini M-Bot. Peut-être. Bon, je vais prendre l'exécuteur. Venir pour acheter. Hop. Madame Zurcon était convaincue que tu ferais ce choix. Ouais, ouais, c'est ça. Hop là. D'autres mercenaires en approche. Je sens que tu vas prendre l'exécuteur. Moi? Non. Franchement, c'est pas mon genre. Prendre une espèce de fusil à pompe? Non. Ok, ok. Ok. Qui? Ah ouais. Ah mais il est déjà mort. Ok. Aïe. Ok. Boum. Putain, tu peux tirer en plus quand tu sautes, genre. Non mais la portée est pas mal. Oh merde, c'est des alliés. Hop. Ah, c'est des alliés aussi. Ok. Boum. Boum, boum. Voilà, ça qu'on veut. Hop. Ils sont morts déjà? Moi, on recharge. Ah, mais attends, j'ai changé d'arme ou pas? Non, j'ai pas changé d'arme. Alors, comment on fait? Fallait aller là? Ah oui, merde. Ah, mais c'est bien l'exécuteur en vrai, non? Je trouve pas? T'as l'air meilleur en tout cas que l'autre. Attention, les pertes civiles ne sont pas tolérées. Oups. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça ferait de perdre. C'est les problèmes là. C'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. Oh, Clank, il fait rien là. Je peux pas m'aider, Clank. Ah. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais. Ah. Attends, là, il a tout cassé là. Hi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Hmm. Le point est fichu. Il y a forcément un autre moyen de passer. Hmm. Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant. Essaie de le braquer vers l'une d'elles. Ok. L1 pour utiliser la... Non, mais t'as vu ça? Attends, quoi? C'est vrai, je me suis téléporté, c'est ça? What the... Ok. Ok, ok, ok. Attends. Bon allez, j'ai rien compris, frère. Merde. Attends, comment on change d'arme? Sélectionner une arme? Ok. Ah parce que oui, j'ai des munitions. Fais gaffe en fait. Je suis là depuis tout à l'heure, je spam comme un fou. Et fais un petit peu gaffe. Continue à spam, hein. Rien à foutre en fait. Boss. Hi. Oh oh, ok. Ok. C'est bon. Aïe. Voilà. Attends, il faut des caisses. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça. Voilà. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Ah, j'ai déjà oublié la touche qu'il fallait utiliser pour se TP. Moi j'ai plus l'habitude des... En quoi? Ah ouais. Problème un peu là. Ouais. Requin des sables. Merde. Ouais mais je vais pas utiliser mes munitions pour des petits mobs de merde là. L1? Ouais c'est ça. Moi c'est mon problème hein. Dès qu'il faut jouer à la manette, ça commence à bégayer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petites caisses ici. Hop. Voilà. C'est ça qu'on veut.
9 munitions pour exécuteur, ok. Ah. En vrai, j'ai peut-être foutu la merde en tirant dans, dans ce flingue. Ok. 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 Hop là. Enfin, c'est stylé en vrai quand tu TP là. Franchement, ça régale. Hop. Ok. Ah, on peut sprint. Ah oui. Je suis là en train de marcher depuis tout à l'heure. Hop là. Tac. Ok. Yo. Voilà, mon pote. Tac. Ok. En vrai, ouais, c'est... Tu m'étonnes que ça soit un des premiers jeux de la PS5 dans le sens où vraiment... Je pense que ça fait rayonner quand même pas mal la PS5 de commencer avec un jeu comme ça. Oh putain. En plus, Ratchet & Clank, grosse licence de Sony, franchement, tout va bien. Oh, salut. On peut acheter là ? Ok. Mais je peux l'acheter ? Oh, j'achète. J'achète. Bon bah, dispersion. Hop. Nyan. Yo. Merde. Attends, on va pas tout utiliser peut-être. Voilà. Aïe. Vite. Ok. Hop là. Y'a des gens ou pas? Voilà. Y'a un mec derrière moi, j'ai vu. Aucun souci. Voilà. Et il est mort. Par contre, je n'ai aucune idée du lore de Ratchet & Clank. Genre vraiment. J'ai joué sur PS... Oh. Explosif, ok. J'ai joué sur PS2 et je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait dans ce monde-là. Comment ? Je sais pas si c'est vraiment très utile pour jouer, je pense pas non plus, mais... J'ai pas forcément besoin de tout savoir. Mais quand même, un petit peu de contexte. Boum ! Ok. Voilà. Je ne m'en serais pas sorti sans toi. J'ai monté un niveau par contre. Allons mettre la main sur... Ok. C'est bon. Alors, pour éviter le laser, ok, double saut, c'est ça. Ok. Ok. Mais j'ai pas le temps de sauter. Faut tirer sur quoi? Attends. On va changer d'arme. Je pense que le pistolet rafale, pour le coup, ça sera peut-être plus simple. Ok. Voilà. Ok. Ses défenses sont en train de faiblir. Ok. Pas le temps de sauter. Tiens. Ok. Ah. Alors. Raccord. Allez. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, bouffon. Problème là. Attends. Hop. On va rechanger d'arme. Hi. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le ralenti, c'était normal, c'était pas un bug ou quoi. A priori. Ok. Ah. Ah, mais non.
Hop. Ok. Hop, ok. Ah, il y a un portail là. Ah, c'est pour t'escape un petit peu si jamais t'es vraiment dans la merde. Non, putain, j'ai pas sauté. Mec, t'es trop nul. Ok. Oh, il va tomber, il va tomber. Oh, j'ai plus de munitions. Merde. Attends. Non. Attends, comment on balance? Ça marche pas? Ah oui, ok, non, c'est vraiment juste pour la dispersion, donc c'est pas fou. Ah oui, ok, non, c'est la merde. Ah merde. Ah! Je vais mourir! Ok. Faut mourir, monsieur, hein. Oh. J'ai rien pour me heal. Comment? En fait, je sais même pas à quoi ressemble le heal. Y'a trop de trucs. Ah. Ouf. Ok, clutch. J'avais un HP. Ah, nous emmène où le man? Ouais. Ah. Ok. Ça ne s'arrête jamais. Oh, les problèmes. Ok. Je vais enlever ma cam, c'est toujours une cinématique. Oh putain. Non, je peux pas tourner là. Ah non. Ok. Jersey of Thieves. Attends, on peut pas changer? Ok, non. Ah ouais. J'ai passé 1000 trucs. Ah ouais. Ratchet, le dimensionnateur. Non. Non. Ah. Ah. Alors. Je suis pas expert, mais petite explosion là, nucléaire, non? Ratchet. Un petit peu. Non, Clank. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Oh! Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais non. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. Mais non. Salut Sonaze, comment tu vas? Ah mais il est dans la demeure. Aïe. Ah non. Oh, il est pas dans la demeure. Non mais il y a son doppelganger, c'est bon. Même pas. Ah si. Non. Le bâtard. Il s'est mis très très bien. Bon, en vrai, s'il reste là-bas, il est content, non? Ça va, pas besoin de revenir. Waouh.
la faille. Quelle intro, t'as vu ? C'est fou. C'est fou, c'est fou. Par contre, à un moment, il y avait tellement de trucs qui se passaient à la seconde. J'étais en mode waouh, waouh, waouh. Ok. Ratchet qui a Night City, frère. Il s'est perdu. Une lombax ? Mais où j'ai atterri, moi ? Ok. Eh bien, loin des yeux, près du cœur. Bien sûr. Ok. Bon bah, Ratchet tout seul, comme une merde. Clank qui est avec l'autre Lombax. Mais je pense qu'ils sont dans la même dimension en vrai. Ratchet et Clank quand même. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris par hasard ? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Ouais. Ah mince. Ça marche pas alors. J'ai sorti mon arme là, je crois que c'était pas la meilleure idée. Attends. Ok. On va courir. Un dragon ? Les huiles dures. Je pense qu'il parle de la drogue. Je ne suis pas sûr en vrai. Pas sûr. Nyon. Ok. Parti, on va retrouver Clank. Ça va aller. Bah écoute, on va voir. Hop. Bienvenue au bazar de Nefarious City. Ah. N'oubliez pas qu'il est d'usage de remercier chaleureusement notre glorieux empereur. J'avoue que la... J'avoue que la nouvelle est pas folle. Est-ce que ça veut dire que... qu'il y a deux Nefarious maintenant ? Aïe. Putain. La priorité, c'est Clank. Non, ouais, c'est beau, hein. Eh. Un plein de mouvements. Oh. Une rift. Mais y a vraiment des failles qui se sont ouvertes de partout, c'est la merde. Bonjour. Je peux pas te parler. Hop. Voilà. Ok. Je vais me faire scam là. Madame Surcon va te vendre des armes, mais tu dois te faire un peu plus discret si tu ne veux pas compromettre la résistance. La résistance ? Night City, wesh, mais oui. Je jure, c'est Night City. Excuse-moi, mon chou, Madame Surcon. On connaît un qui doit être content que ça soit Night City, hein, n'est-ce pas ? L'espionnage. L'otage. Ah mais il y a plein de Lombax, jure. Ah non, 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 c'est juste... C'est Rivette avec Clank. Oh non. Clank, wesh. Comment je peux quitter la planète ? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Oh. Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarious et tu le trouveras. Club Nefarious, mais... compris. Oh, et joli travail, agent secret Surcon. Oh, 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 oh. C'est tellement excitant. Quoi ? Attends, mais... La clan, qu'est-ce qu'il pouvait faire, à la limite, c'était juste... Genre demander de s'arrêter. Ça aurait pu passer, non ? Alors, le club... On va les cluber. C'est là-bas. On pose. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'on peut acheter des armes, encore une fois ? Champitron, c'est quoi ? Attends, je vais voir. Oh ! Mais non, ça met des tourelles de champignons. Mais c'est trop bien, ça. Et j'en suis sûr qu'il y a un éventail d'armes énorme, c'est obligé. C'est obligé que le jeu ait accès là-dessus aussi. En même temps, c'était déjà le cas, il me semble, dans les précédents Ratchet & Clank. Donc il n'y a pas de raison, en fait. C'est quoi ? Ça va faire sensation !
Vas-y, je vais recharger mes munitions, tout ça. Hop. Tu pars déjà ? Oui. Allez. Ah ouais, c'est grand. Enfin, tu peux pas accéder partout, mais ça reste assez impressionnant. Oh, j'ai cru que c'était du japonais, putain. J'ai cru. En vrai, ça ressemble un peu, hein. Alors là, dernier truc, ça serait un fou là. Non, je sais pas. Non, même pas. Un fou, juste. Moi, le fou. Allez, on va clubber. Hop là. Ça va clubber ? Ça club un max ici ou quoi là ? Ah ouais ! Bonjour ! Est-ce que c'est vous le fantôme ? Je veux bien être là pour toi la plus ! Ah ouais ! Ok, ok, ok. Après on emboîte, donc en vrai ça fait sens. Give me a phantom. Give me a ghost, please. Et là, c'est l'empereur, quoi. Nefarious. Le glow up. Merde. On peut plus clubber tranquille, non. Aïe, 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 aïe. J'y crois pas. Ma première mission depuis Perpète et je me fais repérer. Oh. Jure. Ok. Marrant parce que j'ai pas la ref des persos, ça se trouve c'est un perso de fou dans un précédent opus, mais j'ai pas la ref. Après je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la ref. Merde, c'est un normal. Ok. Voilà, Bouffon, va. Comme ça qu'on joue ici. Attends. Hop, on plane. Jour Mario. Ouais, moi je suis un joueur de Nintendo, je connais, hein. Je connais. Voilà, Bouffon, va. Un malade. Quoi ça ? I ! Ok. Attends, ça rebondit ? Ah non, ça rebondit pas parce que c'est stun. Voilà, ok. Alors, comment on fait ? Yo. Non, le truc est bloqué, y a pas un endroit où on peut débloquer ça ? Genre, je peux pas descendre, merde. Vas-y, c'est bon aussi. Ah ! Y'a trop de trucs. On voit rien. On voit rien, il y a trop de trucs. Attends. Ok. Bim. Ah, bouffon, là. Ok. Ça, c'est quoi, là? Ça sert ou pas? Non, ça a pas l'air de servir. Il y a forcément quelque chose ici qui me permettra de rejoindre Fantôme. Oui, sûrement. Ça, c'est des explosifs, je crois. Pas sûr, en vrai. Ah. Ça a explosé, là. Oups. Attends, on va trouver. Ah ça. Santé collectée, ok. Hop. On va remonter, peut-être j'avais loupé un truc, je sais pas. S'il y a rien. Est-ce qu'il y a un système de tuyaux ou pas? Ah mais c'est bon. Ah il fallait juste tuer tout le monde, ok. Hop là. Boing. Tu veux bien arrêter de mourir. mec m'a quand même attendu, hein. Hop. Oh la merde. Ok. On va changer d'arme. Parce que là, j'ai quand même 18 balles sur celui-là, c'est win. Boum. Boum. Voilà. C'est mon fusil à pompe. Oh merde. Oh attends.
Théma. Oh, le place de fou, regardez. Hop, là, je prends les bombes de dispersion. Là, je les balance. Tac. J'arrive pas à les balancer. Comment on balance ? Comme ça. Merde. Hop là. Et là, directement, ça attaque. C'était nul. C'était pas impressionnant. C'était pas archi impressionnant. Ah, merde. Attends. Ah mais si, il y avait un truc dans mon mot. Ça va arriver fort les tactiques et tout pour s'en sortir. Voilà mon pote. Et du coup il y a des niveaux sur les armes. Marrant ça. Après c'est pas mal comme ça dans le sens où celles que tu utilises le plus s'amélioreront. Au final, toute seule. C'est quoi ça ? Un genre de poignée de main secrète ? Il a fait quoi là ? Et j'en fais quoi au juste ? Ok le bleu. Teste le sprint de fantôme pour moi. Sprint fantôme ? Sprint fantôme ? Ah, Gir. Ah, mais c'est un truc cheaté. Ok, rond. Hop. Ah, c'est stylé. Vous avez eu l'animation ? Oh, elle est giga propre. Elle est giga propre cette animation. Hop. Ok. Wow. Oh, l'anime. Boum. Il y a un panneau pour une course murale. Ok. Hop là. Oula. Ça a failli pas passer ça. Ok. Chut, on n'est pas en sécurité. Voilà mon pote. En fait, je comprends pas pourquoi il veut absolument une navette royale alors que. Enfin, ça se trouve, elle est pas sortie de la planète. Rivette. Sur Sargasso. Ah bah si, du coup. Oui. Hop là. Cinématique. Boom. Disparition. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable ? Ouais. Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarious. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable ? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Vas-y, j'arrive, mon pote. T'inquiète. Comment je fais pour l'atteindre, ce toit ? Mais t'inquiète, on va trouver. R3 pour afficher ton objectif, ok. Il est là-haut. Hi ! Ok, le grappin. Le grappin, on l'a. Le cahier des charges est rempli. Il veut quoi, lui ? Il veut pas l'assassiner, genre ? Il veut pas faire un truc en toute discrétion ? Ok, non. Oh. Ça va faire quoi ? Je vais tomber dans le vide. Hop. Passe quoi, bonjour ? Hop. Moi, je passe devant, y'a quoi ? Rentrer ? Ah ! Attends. Ah, mais il faut aller en bas, je suis bête. Attends, ça à quoi ? Wing. Attends. Ah, ok, en face, j'avais pas vu. Voilà, hop. Ah, mais je suis rentré dans le club. Rentré dans le club, attends. Ça, c'est quoi ? C'est de l'explosif. On va éviter, je pense. En théorie, ça serait une bonne idée. Hop. Ok. N'importe quoi. Non. Je suis pas mort. Oh. Non. Je fais quoi ? Non. Je suis pas mort, c'est pas fini. Ok, c'est fini. Merde. Ah, mais ça a bugué aussi, vas-y, la touche et tout, là. Non, j'ai fait de la merde. Elle est où, du coup ? Je sais même plus, moi. Ok. Ah, mais Ouh. Ok. J'ai eu de la chance, je crois.
Hop là, il y avait un grappin en fait. Oh putain. Tu devrais d'abord utiliser ton rare titanium pour essayer d'améliorer ton arsenal. Ok. Bah écoute, c'est le moment. Ah, attends. On a des améliorations qui sont possibles. Achète des améliorations d'armes pour augmenter sa capacité en munitions, sa cadence de tir et encore bien d'autres aspects. Ok. Appuie pour sélectionner le didactylaser et apprendre à améliorer tes armes. Ok. Ah oui, t'as un arbre de compétences. Ok, évidemment, évidemment. Augmente la quantité maximum de munitions, maintenir. Ok. On peut aller plus haut. J'ai toutes les améliorations reliées à la cellule dorée maintenant. Ok. Hop. 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 Et du coup, je débloque la cellule dorée. Les rafales sont plus précises. Ok. Tu vois, pourquoi se contenter d'une arme standard quand on peut la rendre exceptionnelle? Ok, c'est pas mal ça. Allez, l'exécuteur, c'est parti parce que nous, on exécute un max ici. Attends, parce que là, hop, on va aller là. Sache que c'est toujours un excellent investissement d'optimiser ses armes. Hop. Attends, parce que là, du coup... Lui, je peux le prendre ou pas? Non, il n'est pas encore pris en compte. Là, il faut aller vraiment prendre tous les trucs, ok. Ok. Merci pour votre aide, agent secret Durko. Là, je sais pas ce que c'est. Raritarium. Ah, quoi le Raritarium? J'ai pas compris. C'est pour... Attends, c'est ce truc-là qui nous a permis de... améliorer nos... Oh. Ok. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Un laser comme ça. Ouais, ça m'en dis pas plus. Ne m'en dis pas plus. Oh non, c'est trop cher. C'est trop cher. Non. Est-ce que je prends le champitron? Je sais pas. Vas-y, tu sais quoi, je prends le champitron en attendant. De toute façon, je gagnerai des thunes un peu plus dans un petit moment et je pourrais l'acheter, quoi, je pense. Ça ira. Hop. Ok. C'est parti pour la tour. Pour arriver jusqu'ici, tu m'impressionnes. Attends, tu peux me voir? Où est-ce que tu es? Tu t'es occupé de ma navette? Tu l'auras, ta navette. T'inquiète. J'ai juste besoin d'un coup de main pour une dernière chose. Le centre de bien-être des femmes. Ok. Tu vas détourner l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande okay. pour envoyer un message inoubliable à la ville. Ok. Oui, ça devrait être jouable. Ok. Hi. Non, ça c'est quoi? C'est de l'acide. Bonjour. Citoyens de Nefarious City, ici la voix de la résistance. Hop. Attends. Du coup, on va tester la nouvelle arme. La voix de la vérité. Ah. Et la vérité, c'est qu'il faut qu'on court, vous et moi. Ah. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ok. Ok. Attends. Parce que là, directement, attention, parce que les ennemis vont se prendre giga cher, vous êtes pas prêts. Et c'est bien, du coup, on peut se déplacer encore plus librement avec le dash. Voilà mon pote. Aïe. Ok. Aïe, c'est quoi qui m'a... Hi. Voilà. Ok. Merde. Attends. Je me cache. Est-ce que... Oh. Hop là, salut mec. On peut pas recentrer la caméra des fois en automatique, pas l'impression. Hop, je vais prendre ça directement. Hi, je fonce dedans, très intelligent le man. Hop là, voilà, voilà. Oh quoi? Attends. Oh la bombe à dispersion là-dessus. Clutch. Ok. Attends. Hop. Voilà. C'est ça qu'on veut. Nyon. Ok. Alors. À ça. À prendre.
Ils sont beaucoup là. Aïe. Attends. Ok. Boom. Voilà. Tac, tac, tac. On va prendre ça. Mignon. Voilà, mon pote. Voilà. Eh, c'est fini ou pas? Oubliez les codes. Les actes valent bien plus que les mots. Je peux y aller ou pas? Il manque quelqu'un? C'est pas trop tôt. Tournez Farios, me voilà. Ok. Oh, je vais devoir bang d'une touche pour enlever ma cam, tellement il y a de cinématiques. On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Let's go. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'empereur qui va vers la tour. Ok. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarious en plein cœur de la ville. Branche-la et elle s'occupera du reste. Voilà, ça qu'on veut en fait. Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Ah ouais, oh. Il est parti en mode Gandalf. Oh, c'est Gandalf. C'est Gandalf. Je reconnais. C'est sûr, c'est sûr. Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici ? Eh oh, Ratchet, faut réfléchir un petit peu, regarde. Hop. Facile en fait. Tu mets ça, et là tu fais un peu de ride. Et rider. Ok. Wouhou! À la statue, utiliser Glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasson. T'inquiète, j'arrive. Je prends trois fois rien. Tiens bon, encore un peu. Est-ce que je vais me prendre un truc dans la gueule? Non. Pas du tout. Oh! Salut Igara! Comment tu vas? Bonjour, il est beau ce jeu. Franchement, ouais, hein. Sur la PS5. Franchement, j'étais choqué. Surtout que moi, la dernière fois que j'ai joué à un Ratchet & Clank, c'était sur PS2. Donc autant dire que là, ça change un peu, quoi. Niveau graphisme. Ouais, j'espère que tu vas bien. Alors, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que je pouvais augmenter mes petites armes. Pas du tout écouté. Comme d'habitude, finalement. Je vais bien. Parfait, ça. Parfait, parfait. Tac. Hop. Alors, c'est la fin des vacances? Ou t'en as encore un petit peu, là? On est combien, là? 27. Ouais. 27, ça commence à être compliqué, là. Ça commence à être la fin des vacances pour tout le monde. Nion. Ah, c'est agréable. En vrai, de se promener. J'ai repris cette semaine. Ok. Ok, ok. Ça va, ça n'a pas été trop dur, la reprise. Ah, moi j'étais parti en interrail du coup, pas interrail. Et je suis revenu le lundi et le mardi je reprenais le travail. J'avoue que ça a été un peu rude. Mais on s'y habitue, ça va. Ok, alors comment on va s'en sortir contre ce... Ok, bon, déjà il est en train de me défoncer ce fou. Attends, on va changer d'arme. On va prendre celle-là. Voilà. Hop. Ok. Oh, attends, il ment. What the fuck? Qu'est-ce qu'il... Il se passe quoi, là? Attends, mais je vais crever, là. Je vais crever de fou. Non. Oh, je vais archi crever. Ah, putain. Ah. Ok. 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 J'ai plus d'armes. Ok. C'est la merde. Alors. C'est calme. Bon, ça va. Ouais, c'est encore ambiance et vacances. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde de travail. Oh là là. T'as déjà joué toi à Ratchet & Clank? Mignon. Oh putain.
Oh sa mère. J'avoue qu'il fait un peu bader ce mec là. Oh putain. Surtout avec mes 4 HP, j'avoue que c'est pas forcément le genre de truc que t'as envie de voir. Ok. Merde. Aïe. Ok, j'ai plus de vie. Ok. Bon. Ouh. Oh, c'est dur. Pas du tout. En vrai, c'est... Je sais pas, c'est un jeu, tu vois, qui est giga connu, Ratchet & Clank, parce que ça fait longtemps que ça existe. Mais en vrai, genre, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui ait tant joué que ça. Au final. À part que j'ai fait une boulette vendredi au travail. Ah merde! Ça va être réglé lundi par mon binôme. Ah bah c'est bon alors. Oh, c'est... Si ça se répare vite alors... Ça va. Ça va, ça va. Ça arrive les boulettes. Il n'en a pas fait. Oh, salut. Tu dois être... Glitch. Je suis Ratchet. Petite cinématique. Hop, je disparais. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu et... Pour tout te dire... Je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Oh la tristesse. Il a plus Clank. Non. Ok. Ouais. Je suis en full pirate. Ok. Ok, ok. Ça doit être ça. Électro-canon. D'accord. 41 spectateurs dans ce jeu, pour ce jeu dans le monde. Mais oui, c'est normal, c'est un jeu qui est sorti un petit moment là. Donc en vrai, enfin, il y a un petit moment. C'est l'un des premiers jeux qui est sorti sur la PS5. Donc en vrai, les gens ont eu le temps de le faire. Hop là. Ok. C'est sûr que j'ai pas pris le jeu le plus famous, quoi. Après, ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir de refaire un Ratchet & Clank. Depuis 2006, quoi. Ça a commencé à dater. Voilà. 60€ sur Steam quand même. Ouais, ça c'est normal. En fait, hop, je remets ma cam. Le jeu, il est... C'était une exclu PS5 jusqu'à très récemment. Et du coup, comme tu vois, il est sorti sur Steam... Je sais plus, le mois dernier, je crois. Et du coup, ouais, il est au prix fort. Il est au prix fort. Et moi, mon PC, il aurait pas tenu ce jeu, je pense. Il aurait pas été aussi beau qu'il l'est sur PS5, donc... Je voyais pas l'intérêt de le faire sur PC pour moi. Mais... si, c'est sûr que si j'avais une bête en PC, ça serait peut-être parti sur PC. Non, c'est quoi ce truc-là? Ça va être sûr? Ah ouais, non, c'est bon. Ça y est. On dirait que l'ordinateur est réparé. Ok. On va enfin pouvoir prendre cette navette, Ratchet. Hop là. Le petit hack, directement. C'est pas comme dans Watch Dogs. Hein. Dans Watch Dogs, c'est un petit peu plus rapide pour hacker, généralement. Ok. Ravi de vous revoir, votre majestueuse majesté. Oh. C'est parti. Oh, les problèmes. Majestueuse majesté, comment ça? Quand cinématique, hein, frère. Cinématique toutes les 3 secondes. Des robots de guerre, 5 canons destructeurs de planètes et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore. Clan, hein? Oh oh. Ah. Du coup j'ai frappé l'empereur. Je sais pas si c'était la meilleure idée mais. Mais bon, c'est pas grave. On va lui voler un petit vaisseau. Oh, ça va partir en conduite de vaisseau là. Ah, non. Ah. Oh non. Pas
besoin de mot de passe. Je suis l'empereur et si je te réduisais plutôt en miettes. Oh, ça a marché. Oh bah let's go hein. Ah mais on dirait vraiment un film en fait. Genre vraiment on dirait un film d'animation. Quand tu regardes le truc quoi. C'est vraiment Oh, c'est la Terre ? Ah non. Ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarious et qu'il s'en ouais, est servi pour t'amener ici. Et maintenant, c'est tu dois trop, retrouver trop beau. Ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarious, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Non. Au secours, nous sommes attaqués. Mork, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh non. Accroche-toi. Ah bah attends, on va jouer un peu cette rebat. Je fais toujours attention. Ok. Bon, un atterrissage qui est plutôt bien effectué, aucun souci. Ok, on va jouer Rivette, mais non. Mais où m'emmènes-tu exactement? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque, mais d'abord, je dois Hop. Sauver mes amis à l'usine de gélatonium. Ok. Oh, salut. Alors, elle a quoi comme arme? Elle a ça. Parce que du coup, pour contextualiser un petit peu, pour ceux qui sont arrivés entre deux, normalement, Ratchet et Clank... Ratchet, du coup, c'est le petit renard, là, bizarre, qui fait neck. C'est le seul représentant de son espèce dans l'univers. Sauf que là, et bah, ils ont utilisé ce qui s'appelle quelque chose pour voyager entre les dimensions. Et du coup, ils se sont perdus avec Clank. Clank qui est le petit robot là derrière. Et en fait, Clank, Ratchet séparé et Clank est avec un autre Lombax qui se trouve être aussi l'un des seuls de sa dimension. Donc là, ils vont essayer de se retrouver, en gros. Et habituellement, il n'y a pas de Lombax dans... Mis à part Ratchet dans Ratchet et Clank. C'est parce que j'y ai ajouté un ami comme moi, un Nefarious City. Ok. Ok. C'est quoi? Arroseur taupière. Ah mais du coup, ouais, on partage les équipements avec Ratchet. Ah c'est pas mal ça en vrai. Ouais, ouais, ok, c'est partagé. Exécuteur, genre là si je vais partir ici. Voilà. Voilà. Ok. Attends. Partir par là un petit peu. Voilà. On a de quoi mettre des autres points ailleurs? Non. On n'a pas assez de thunes pour prendre d'autres armes. Dommage. Attends, on a quoi du coup? On a combat dispersion, champitron, exécuteur, pistolet rafale. Ouais. Vas-y, on va prendre ça. Ça ira très bien. Hop là. Yes, c'est. Ah. Ok. Vite. Ah. Vite. Vite. Ok, elle a aussi le pouvoir fantôme là de sprinter. Hop. Oh là putain, il y a du monde là. Attends, on va faire un truc, ça sera plus simple comme ça. Hi. Ah. Je fais n'importe quoi. Je n'importe quoi. Ça va, ça va, ça va. Il y a R. Ok. Bon, Théma le. Oh. Waouh. Ok. Ça va, ça va, ça va, tout va bien. Hop. On court. Le portail. Et voilà le dernier scarabée qui file dans cette espèce de paille. What? Alors, monsieur, je sais tout. C'est quoi cet endroit? Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. What? Mais d'où est-ce que tu sors tout ça? C'est Ménard! Le robot a tout. C'est Ménard! Il a dû entrer dans la phase sans faire attention. Non, Ménard! Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là?
Il est pas baisier lui. Attention hein. Tape sur le nid pour attirer son attention. Attends, comment on fait? Frapper sur le nid. Ok. Salut. Hop. Ah mais attends, on peut. Oh ok. Voilà. Là c'est moi qui conduis, donc je sais pas si ça va vraiment m'amener jusqu'à l'endroit souhaité. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bré. Petite maniabilité en vrai. Ça va hein. Un petit véhicule. R1 pour accélérer. Ah ouais. Aïe. Ok. Change de dimension. Je comprends rien. Ça me fume, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Non. Oh oh, shit. Ok. Oh merde. Ok. Ok. Et il est reparti, merde. Vraiment, on aurait pu le continuer à le prendre. Ça pouvait passer. On a traqué le Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein? Mmh. Le problème là. Bon, il a dit il comptait jusqu'à 9, on a le temps. Regarde, on peut tranquillement prendre son temps. Voilà. Allez. Hum. Si. Hop là, mon pote. Aïe. Ok. Ok, alors. Tac, boum. Là, je sors ça directement. Là, change d'arme. Hop. Je sais pas s'il y a un truc un peu mieux au niveau raccourci pour sortir les armes. Aïe. Ok, il est parti, merde. Ok. Voilà. Voilà. Boum. Un petit marteau là. Oh oh. Non. Merde. J'ai l'impression qu'ils sont assez gentils quand même sur les checkpoints quand tu meurs. Alors vraiment ils te laissent, ils te remettent une seconde avant que ta mort. Donc franchement, ça va. Je pense qu'on a vu pire niveau de difficulté. Après je suis en normal. Je sais pas si ça a un lien, sûrement, peut-être. Ok. Cinématique. Vous allez bien? Nous? Oh, quand on a su que ces types traquaient un Lombax, on s'est inquiété pour toi. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous a sauvé la mise. Attends, où sont les autres? Bah, il y a plein de morques coincées dans ce truc bizarre, là. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Mm-hmm. Oh, entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas franchement neuf. Oh. Un peu agressif ça, je trouve. Ok. Pas de soucis, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Zurki. Morg va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Zurki? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère. Oh non, tranquille. Juste un peu. Comment ça s'appelle déjà quand t'as les dents en avant comme ça là. Genre les dents du bas en avant. Je sais plus. Il y a des chiens, ils ont ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ça. Si, sûrement. Bon. Ricochet. Ok. Ok. Ah oui. Oh c'est pas mal. Ok mais je préférais le ultra laser là qu'on a vu. Regarde. Oh non j'ai toujours pas cette thune. Pas vendre un truc là. Le railgun. Ah mais attends ça se trouve je peux gratter des thunes. Ouais non impossible. Hop. C'est parti.
sens d'entrée. Compris. Pourrais-je y jeter un œil? J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Mm-hmm. D'accord. What, il est foncé? Oula! Oula! Salutations, bienvenue! Quoi? Comment es-tu entré ici? Où sommes-nous exactement? Ici? Oh, tu l'ignores. Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions. C'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure entre des cataclysmes qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Ok. Bon, ça va alors. Le temps le dira. Oh. Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank. Si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255 phase Oméga. Mais tu peux m'appeler Gary. C'est peut-être un peu mieux Gary, voilà, je sais pas. Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Ouais. Oh, un ami de mon père, je vois. Votre père? Oh. Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Attends, j'en suis sûr, son père c'est genre un méchant, tu vois. Allez, on répare les dimensions ou quoi? Vous savez comment réparer les dimensions? Et pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici? Ce sont des possibilités. La clé pour réparer cette anomalie. Mais d'abord, ramasse cette sphère là-bas. C'est une sphère de légèreté. Elle peut réduire la gravité de tous les objets qu'elle touche. Ça fait quoi? Ah, ok. Il semble que tes possibilités soient ce qui empêche l'anomalie. Hop là! Ah, c'est beau, hein. Ah, je suis toujours choqué. Après, en même temps, au bout d'un moment, tu vois, le truc c'est que je joue pas mal sur Switch et des fois il y a des jeux qui sont assez dégueulasses sur Switch, on va pas se mentir. Donc bon. Là, quand c'est beau, il faut le dire. Let's go! Ok. Je crois que les choses commencent à prendre du sens. Ouais. En termes de dimension. Ah, une sphère de vitesse pour aider à la mobilité. Ah, ok. Est-ce que ça va permettre de détruire ça? À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bord de cet obstacle. Voilà. Atteindre des sommets. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary. Genre un truc comme ça, sur hop. Savali, en fait. Je mène mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir émotionnel que je connaisse. Comme ça. Hop. Ça passe normalement. Cet appareil pourra peut-être rediriger mes possibilités. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Hop. Ok. Oh, fantastique. Tu sembles avoir un talent inné. J'aime les jeux de rythme, il y en a un dans le même cible, c'est Hi-Fi Rush. Ah non, je connais pas du tout. Ouais, j'aime bien, mais après, on va pas se mentir, je suis pas le meilleur. Pour les jeux de rythme, franchement, c'est pas mon fort. J'ai déjà joué à je sais plus comment ça s'appelle, c'était un jeu gratuit de rythme, Ozu, et j'ai joué à un jeu avec, comment ça s'appelle, tu sais, des tam-tams un petit peu là, un truc japonais, comment ça s'appelait, mais c'était pas mal. C'est sur quoi ton truc? Ok, ça te stop. Après, ils font cela, mais ils meurent. Tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également? Hop. Oh non, les anomalies seraient. Attends, comment on prend pour ça? Ah, ok. Le cataclysme dimensionnel soit déjà en marche. Et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qui l'a causé. Voilà. Tout juste. Mais si réparer les anomalies. Attends, en vrai, ça sert à rien. Peut-être là. Boum boum. Merde. Ok. Donc là, c'est pas mal. Je ne sais pas si je serai capable de résoudre toutes ces énigmes. Pourquoi dis-tu cela? Je sais pas si je fais ça, genre. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionnateur. Ça marche pas. J'ai de quoi. Ça marche pas. En période de grand stress. Je fais quoi? Je vais bloquer? Je pense qu'il vaut mieux aborder les points. Non. Merde. Ça doit être sur toutes les plateformes, je pense. Ah ouais? Ah, je connais pas du tout. Attends, ça s'appelle Hi-Fi Rush. Bon, je vais voir si ça me dit quelque chose.
Hop, Ify Rush. Ah attends, ça... Si, ça me dit quelque chose, le l'artwork. Du coup, c'est un jeu de rythme. Ouais, non, je que... Pardon, si ah oui, dans ce sens-là. Genre... Quand tu dis rythme, c'est genre du des trucs de parcours, tout ça. C'est vraiment rythme avec la musique. Hop, alors ça nous permet d'accélérer, mais est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin actuellement? Je pense pas, on va plutôt prendre ça là-haut. Hop, et là on y va. Et là on monte et on est accéléré. Ça fait l'effet d'un remontant. Hop, on a ça maintenant. Ah, il faut aller là-bas. Ok. Je sais pas si ça a passé. Ok, ça passe pas. Alors. De la musique, une histoire et du rythme. Ok. Très cool ça. Très très cool. Mais écoute, je regarderai un petit peu, ouais. C'est vrai que... Bon, les jeux de rythme, je vais pas te mentir, ouais. C'est sûr, je suis pas le meilleur. Clairement pas le meilleur. Mais... J'essaye de s'en sortir un petit peu. En essayant de s'en sortir un petit peu, ça peut passer. Hop, ok. On est là. Il manque quelque chose, non? Ah bah oui, il faut ramener les bonhommes aussi. Hop. Est-ce que je peux viser là-bas? Ouais. Hop. Ah merde, c'est... Ok. Là, ils vont à gauche. Non! Oh putain. Là, ils vont là. Je me demande si une merde. Vitesse accrue aiderait mes possibilités à franchir ce gouffre. Comme ceci, hein. Ça y est, voilà. Tu as réussi à réparer l'anomalie. Nous avons fait un peu plus vers la prévention du cataclysme dimensionnel. Hop là. Ça va, l'énigme n'était pas abusée. On va pas se mentir. Hop. Boum. Je dis ça, mais... On m'a vu sur Mario 64 et tout, jeu 3 ans et plus, des fois ça galérait quand même, pas se mentir, même sur Sunshine. Et là je lui dis, écoute Mork, toi Mork et Mork, vous allez floquer cette limonade avant que Mork arrive. Waouh, tu les as sauvés. Comment t'as fait ça? Je... Non, je... Eh ouais, je suis trop fort en fait. Oh Rivette, comment ça va ma grande? Regardez qui voilà. Oh, le check de fou. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarious City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandée... Ouais, bien sûr. Ce vieux tas de boue sera bientôt comme neuf. Hop là. Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma plante. Ok. Qu'allons-nous y faire exactement? Qu'il saura bientôt. Hop. On se régène un petit peu. Ah mais ils sont là eux. En vrai on peut les regarder juste hein. On n'a pas forcément besoin de les... De se battre. Ouais. Bon allez. Boom. On va laisser le champignon faire. On n'a pas besoin. Hop. On prend ça au cas où, mais sinon dans l'idée ça va quoi. Hop. Pas... Oh non, je vais lui tirer dessus. Merde. Merde, merde, merde. Ok. Hi. Hop. Exécuteur plutôt. Je pense que ça sera peut-être un peu plus efficace contre un gros bonhomme comme ça. Ah! Merde. Et lui, il veut quoi là? Quoi ce random là? Hi! Ah! Oh merde. Oh, j'ai pu. J'ai plus de munitions, non. J'étais presque. Attends, hop. On va balancer ça. Hmm.
de problème. Aïe. Tranquille, tranquille, derrière. Voilà. Pistolet rafale. Quoi là-haut, là ? Voilà. Ok. Ah, parfait. Voilà. Tranquille, on... pas besoin d'aide, pas besoin d'aide. Enfin, là, je pense qu'on peut s'acheter bientôt la l'arme de fou qu'on avait vue tout à l'heure. Hop. J'ai déjà fait en fait. Trop fort. Oula, il y a eu un petit bug. Comment c'est possible? On est sur PS5. Impossible. Impossible d'avoir des bugs. Ok. Ah. Bon. Ok. Balancer un champi. Hop. Tac. Voilà mon pote. Attends. Ah, je peux monter? Voilà. Ah mais il peut bouger mon champi en plus. C'est trop fort. Casse-toi toi. C'était un plomb. Je vais y réfléchir. Oh. Ah. Attends, c'est les problèmes. Ok. Home. Oh, j'ai plus de munitions, c'est la merde là. Attends mais. Oh. Tac tac. Voilà. Ok. Et boum. Ok. Non. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Hop là. Oh mais attends, je viens de tilter. On est dimanche. J'avais zappé dans ma tête, je sais pas pourquoi on avait encore 3 jours de week-end. Pas du tout en fait. Voilà, désillusion. Bon là demain on travaille. Non vas-y, c'est trop tard. Faut faire ça. Je suis déçu. Je réfléchis à des trucs comme ça quand je suis en fight. Et alors? Et alors en fait. Hop. Hop. Ok. Non, je suis encore week-end. Mais non. Trop bien. Est-ce que c'est parce que t'as pris ton jour ou c'est parce que c'est fermé le lundi là où tu travailles? Tac. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés le lundi. Eh hey, mec. Faire quoi? Attends. Courir déjà. Il y a ce truc là. On va prendre. Est-ce que je travaille 4 jours par semaine? Mais non. C'est trop sympa ça. C'est ton entreprise qui a instauré ça. C'est encore plutôt rare ce genre de cas en France. Bah, c'est pas trop... pas trop dans les mœurs, quoi. Oui, mais c'est un 30 heures. Ok, ouais. C'est pour ça. Mion. Merde. Ok, je vais tomber. Non, ça va. Ok. Ouh. Tac. Et moi, en vrai... En vrai, ce que je pourrais faire, c'est... je faisais ça un moment quand je travaillais. C'était... c'est parce qu'il y avait un système de badgeuse. Ce que je pourrais faire, c'est travailler une heure de plus tous les jours. Et comme ça, le vendredi après-midi, me casse. En vrai, ça pourrait être un truc à faire. Je crois que normalement, c'est autorisé, donc... Y a pas de souci. Par contre, pourquoi ça...
Faire quoi là? J'ai loupé un truc, je crois. Mignon. Alors, là t'as ça. Hop, on va remonter. Peut-être louper. Ah, c'était ça, oui. Hop. Elle est cassée. Non. T'as abusé. Tranquille, on va pouvoir traverser d'une autre façon, mais ça va le faire. Ah oui. Toujours un moyen de passer, t'inquiète. Alors. Là-bas, c'est quoi? Quitte à regretter de l'avoir suggéré, que dis-tu du scarabide? Ce que j'en dis. Oh. Yo. Oh. Let's go. Oh non, mais j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Ah si, en vrai ça va. Aïe, oui. Je me fais casser la gueule là. Je connais. Attends. Oh oh. Ok. Tranquille, tranquille. C'est quoi ça? Mission épuisée, merde. Attends. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Eh, ça commence à bien gérer les petits switches d'armes là en vrai. C'est pas mal, hein. Oh putain. Ok. Hop. Ok. Voilà. Pékine. Pékine en fait. Hop. Oh, les petites grenouilles là, ça dégage. Voilà. J'adore comment ça donne un petit coup à chaque fois là. Ça l'éjecte à l'autre bout de la map. Ok. Ça c'est bon. C'est bon. Il en manque un là-bas que j'ai oublié. J'ai l'impression qu'il faut les actionner rapidement. Ah. Ouais, les morts adorent compliquer les choses. Ok. Ah ouais, mais il va me falloir un. Il est toujours là ou pas? Escargot. Voilà. Bien, on court. On court juste. Hop. Hop. J'ai l'impression qu'il faut les actionner. Ah oui, rapidement. Ok. Ouais, les morts adorent compliquer les choses. Oh yeah. Je vais découvrir la vérité à ton sujet. Non. Si seulement. Ah non, c'était trop nul comme mort. Ok. 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 Ok, j'avais pas besoin de prendre le grappin en fait. Pourquoi je vais où là? Des robots, surtout quand ils sèment le chaos dans ma galaxie. Ce n'est pas mon cas. J'essayais d'aider Ratchet à trouver les autres Lombax. On le saura bien assez vite. Il me suffit de vous scanner, toi et l'inforobot que j'ai trouvé à Nefarious City. Hop. Ok. Bon, ça c'est fait. Normalement, ça devrait aller. On va aller dans la base de cette Lombax. S'appelle Rivette, bien sûr. Mais non, jure. Ouf, on est à l'abri ici. Et va falloir réparer Clank là. Il est un peu amoché, je trouve. Oh, attendez, je disparais. Cinématique, bien sûr. C'est ce que je t'ai répété plusieurs fois. Ton Nefarious
Il ressemble beaucoup au mien. Et il est tout aussi méchant. Quant au Lombax, je sais que ça va te parler. Le Lombax, il a haché. Tu penses qu'il n'est autre que ton double dimensionnel? Un truc comme ça. Alors, écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va arranger ça. Oh? Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois. Pas tous les robots, juste... la plupart. Tu sais, comme l'Empereur, ces imbéciles de serviteurs, les pirates... Ouais, les méchants, quoi. Ouais, je sais, c'est plutôt ironique. Oh, je suis vraiment navré. Je n'avais pas l'intention de... Tu culpabilises? C'est quand même moi qui viens de fouiller dans ton journal intime. La station est on point. Non. Non, Clank. Et Clank, il sait rien faire tout seul. Non, 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 non. Faut aller le sauver, là. Faut aller le sauver, c'est pas possible, ça. Ok. Ok, vous êtes prêts à voir une scène de course-poursuite. Hop. Attends, je peux pas. R1 pour accélérer, ouais, ok. On est dessus. Ensuite, il y a un autre bouton à connaître. Hop. Et oh, on peut pas frapper. Le stabilisateur de vol de l'astropode doit se trouver sur son dos. Si j'arrive okay. à le détruire, ça devrait suffire à l'arrêter. Faut trouver une rampe. Ah là, elle est là-bas. Merde. Vite. Ok. Another one. Ok. Boum. Eh ouais, mon pote. Tout est calculé ici, en fait. Ça passerait très bien. Ok. 3 là là. Oh merde. Alors, là ça fait beaucoup quand même, je trouve. C'est beaucoup là, non? Ah. Ok, petite esquive. Eh ouais, mon pote. Je crois que tu parles à qui, là? Oh. Boum, 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 boum. Ah, oh, exactement, il faut tirer, mais on va tirer au milieu dans le but. Yip! Ok. Ok, j'ai failli esquiver dans le mauvais sens. Merde. Ah ouais, le taunt. Taunt de fou. Hop, ok. Eh, ça commence à jouer, hein. Par contre, j'aurai jamais assez de munitions. Attends, quoi? Oh là là là. Alors. Ah, mais ça a rechargé du coup, vu que j'ai remonté au niveau dessus. Incroyable. Ok. Oh, ça tire par 3 maintenant. Merde. J'étais touché. Attends, parce que là, hop, directement. Ça. Ça, hop, on change d'arme. Mon champi va s'occuper des petits et moi je m'occupe du gros. Voilà. Oh le pauvre. Le pauvre. Pauvre petit bonhomme. Ok. Elle est où la rampe? Il nous faut une rampe là. On peut y aller. Ok. Ok. Allez bâtard. Ok. On est bon. Et boum. Ok, P2, P2. Ah. Incroyable. Ok, P2, effectivement. Alors,
Hop, on va balancer ça. On se prépare sur le terrain. Oh, il se passe quoi? Attends. Attends, ça va. Ok, petite esquive. Hop, ok. Oh. Ça va. Ça risque d'exploser là par contre. Non, tranquille. Ah! Ok. Boum. Oh. Ah ouais. Oh putain. Ah. Ok. Boum. Tac. Rechange. Oh là 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 là. Oh mais c'est chaud là. Comment t'es censé faire? C'est regrettable. Boom. Let's go. C'est juste tort. Boulon. Tu es venu me sauver? Merci. Quand il a plus rien, la Clank, il a juste un bras. Si fait le man. Ok. Retourne à l'usine de gélatonium. En fait, que dirais-tu d'un amplificateur de signal pour réparer ton communicateur? Ce serait... Ça voilà. Sera pas aussi cool que ce qu'on va trouver dans cet info-robot. Ah. Ce sera pas mal. Oh. On va acheter, c'est le moment. C'est le moment, les gars. Arroseur taupière. Attention, petite démonstration vite fait. Ah, c'est pas ça que je voulais acheter. Non, c'était ça. C'est ça. Collisionneur de Négatron. Tout simplement. Juste ça, en fait. Franchement, c'est... Trois fois rien. On prend. Hop. Mais bien sûr qu'il va changer ma vie. Bien sûr, quelle question. Que pregunta. Hop, qu'est-ce qu'on va améliorer? Exécuteur. Peut-être rajouter des munitions sur l'exécuteur parce que ça... C'est vrai que ça galère un petit peu. On est vite à court de munitions. Hop. Voilà. Pas mal, hein? Ensuite... Offre-toi une amélioration. Tu mérites. On peut partir par là. En gros, on doit faire le tour pour avoir le bonus du milieu à chaque fois. Et là, j'ai tout utilisé. Oh là là. Oh, l'agressivité de l'arme. C'est trop. Ah, par contre, il n'y a que 5 balles. Oh merde. On a utilisé une. FF. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? En fait, attends, on va reprendre cette arme, j'ai peur de misclic. Il y a quelqu'un qui peut améliorer mon ami Clank, en fait. Il est très peu débrouillard. Tac. On peut pas ouvrir ça, là? Non. Oh merde. Peut-être là. C'est justement ce qui fait tout le charme, Mork. Non. Ah, ce truc là. Quoi? Le trap est trop nul. C'est même pas un trap, c'est juste vraiment la mort nulle. La mort à chier. Ok, Raritarium. Ce qui sert à améliorer les armes, je crois.
j'ai bien compris. Oh, voilà, là qu'on cherche. Oh, un boulon d'or. Ah, quoi ce truc? Ça doit être voilà, des trucs de collection et tout pour le 100%. Hop, ok. Bonjour. Ça deal du shit ou quoi là? Apparemment. Apparemment. Quoi ce truc là? Bonjour. Ça flotte, Ménard. Ah mais c'est... Attends, ok. Mork est venu me demander comment réaligner les mécanismes de la queue. Je sais pas où faut aller. Là peut-être. Attends, c'est quoi la mission? C'est quoi la mission juste? Merde, c'est pas ça. Je ne maîtrise pas. La mission, c'est... Pas de mission. D'accord. Faut juste aller là. J'ai pas vu, j'ai pas la ref. I don't have de référence en fait. Oh. Il y a juste à monter en fait. On est parti. Par contre, ils lui font un bras là au Clank. Ils lui font un bras. De quoi Papa. S'agit-il? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky. Moi. Membre de la résistance, j'envoie la liste de cibles de l'empereur sur le réseau. Oh, ok. Il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'empereur nous trouve nous aussi. Waouh. Alors. Ah ouais, tu peux te promener entre les planètes. Ok. Pas mal. Vas-y, on va aller sur celle-là du coup. Et c'est parti. Nyon. Dans Outer Wilds en fait. C'est juste ça. Et boum. C'est beau quoi. À quoi c'est beau. Que tu penses? Vas-y, c'est triste. J'écoute. Eh bien, je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer, que Ratchet et moi sommes perdus. Oh, je vois. Ben... Ton communicateur Outer Wilds, y a pas d'histoire. C'est déjà un début. Outer Wilds, oui. Y a une histoire, mais bon, ça va sur... C'est compliqué des fois. Alors moi j'ai eu un peu du mal un moment à prendre tous les morceaux du puzzle pour comprendre. Et, mais en vrai c'est pas mal. Mal quand même à Outer Wilds. T'as joué toi? T'as vu quelqu'un qui y jouait? J'espère que tu as raison. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... Ah ouais, c'est tout cassé. On va te préparer. C'est quoi? J'ai l'impression que ces plateformes flottantes déraillent. Oui, elle a galéré, mais elle a fini. Parle de, quand tu dis elle, tu dis c'est qui? Ah putain! En vrai, c'est vrai que des fois, tu vois, un jeu où il faut aller plusieurs fois au même endroit, des fois, pour bien se rendre compte de. De tout ce que t'as à trouver là-bas en fait. Et du coup Ah le parcours. Oh non, je suis dans l'autre sens. Du parcours, on y est. Primeuse, ok. On y est, on est de retour. On est de retour sur du parcours. Ok. Je me concentre. Je sais que j'ai pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de me voir réussir un parcours du premier coup. Et c'est tout à fait normal. La synchronisation entre mes doigts et mon cerveau est des fois un peu compliquée. Non, c'est abusé ça. C'est abusé. Ok. Je me défoule sur des box. Allez.
Je n'ai aucun timing dans ma tête. Vraiment. Hop. Ok. Là, ça devrait aller pendant un petit moment. Jusqu'à là. Ouais. Ok. Et du coup, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans l'autre. Comme j'ai pu le faire avoir tout à l'heure. Voilà. Ça fait quoi, ça? Mais j'ai pas fait le DLC d'Outer Wilds. Équiper une pièce d'armure. Apparemment, il est pas mal. Force Quack. Ah mais... Ah mais t'as des combis à prendre en entier. Oh, hop. Ouais mais c'est moche. Oh clank. Jure. Oh, la combi de fou. Oh, c'est pas mal ça. Tac. Alors, du coup, comment on rentre? Comment on rentre à la maison? Oh, là-bas. Hop. Et du coup... Hop là. Ok. Ouais, donc t'as des trucs à collecter un petit peu à droite à gauche. Cette plateforme qui a l'air d'être un petit peu un hub. La recette de citronnade de mort qui avance tout doucement. Bien sûr. Salut. Salut, salut, tout le monde, bonjour. Bonjour. Ta bouche ou tes cheveux? Voilà. Ah bonjour. J'ai plus de thunes, désolé. Plus de thunes. C'est fini. La fin de l'abondance. Hop. Ok. Ah, il faut tirer... Ah non, il faut juste passer à travers, non? Voilà. Bienvenue chez Urki, la reine bistronomique nouvellement interdimensionnelle. Je vous débarrasse de votre manteau et de toutes vos armes. Non, mais... Je crois que j'aurai toujours du mal à m'y faire. Non, mais merci tranquille. Chez Urki, on se massacre avec le sourire. On se massacre avec le sourire, c'est-à-dire... Urki est derrière le bar. Il saura où est le pirate qui détient l'amplificateur. Mmh. Ah! Ça, c'est pour la map animaux de Nilo, ça. T'as vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Si ce n'est pas ma petite chérie. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici. C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Combien de fois dois-je te répéter que mon cœur est déjà pris? Un forceur, lui, hein. Le rouillé? Le rouillé? Ah, morbleu. Ton ami à la langue bien pendue. Mon nom est Pierre le Fer, pirate extraordinaire. Je te propose un duel. Oh. Chez Urki, la violoncelle est interdite. Battez-vous dehors. Oh la reine. Oh la reine. Je préfère l'amour à la guerre. Mais pour toi, je suis toujours disposé à faire une exception. Prêt à lui reboter le derrière. Je commence à avoir faim, il est quelle heure? Que 4h45, comment ça j'ai faim? Pourquoi pas? Comment ça se fait? On n'a même pas parlé de bouffe et j'ai faim. Il y a une console sur ce grand mur vitré. Hop, là-bas. Merde, je me suis trompé. T'inquiète, tac. Alors. Bronze, prouve ta valeur, argent ça va être chaud. Ok, comité d'accueil, ok. Battre l'équipage de Pierre. Ok, c'est des espèces de missions où tu dois battre... des ennemis par vague, certainement. Certainement. Mes très chers amis. Ok. Bienvenue dans ma reine de massacre de mini-jocou. Êtes-vous prêts à assister au plus bel vidéo et bleu des carnages? Ah, franchement, ça ira. Ce soir. Hop. Oh, bah attends, on va tester mon... mon super truc. Boum. Oh. Ok, pas mal, pas mal. Ok. Ok. Merde, c'était mon mate. Mais vous devrez d'abord prouver que...
Ok, je crois qu'il faut pas prendre beaucoup de dégâts hein, dans l'idée. Il vaut mieux en tout cas. Si on veut tenir jusqu'à la fin. Hop. Hop. Putain, je voulais y aller au corps à corps, je suis un malade. Je crois que ça passe pas au corps à corps. Mais si ça passe. Voilà en fait. Facile ce jeu hein. Ah mais en plus on peut régénérer. Bon ça va. Hop. Ils sont où? Là. Boom. L'overkill de malade. Attends. Boom. Ok, on va pas tout, tout utiliser, pardon. Boom. Voilà, 52. Acte 3 terminé. Ah va. Ah ouais? Hop. Boom. Voilà. On est bien. Et lui il est mort. Ça tire où après? Oh, salut toi. Voilà. Boom. Ok. Ah ça tire encore là-bas. Boom. Ok, il commence à y avoir pas mal de monde en vrai. Attends. Attends mon pote. Eh, hey, viens là. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est un travail. Excellent travail. Merde. Moi oh, j'ai plus de champitron, non. Ok. T'es où? Ok, c'est là. Ok. Boom, ok. Ok. Bon, on aura plus d'aide. Est-ce qu'on en a besoin au final de cette aide? Aïe, putain, il tanque plus. Apparemment, oui, on en a besoin. Bon, y a lui derrière qui me tire dessus là. Hop. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça ici là? Ça a pas la tête. Voilà. Bim 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 bim. Enfin, vraiment, avec la connexion que j'avais avant, ça aurait été impossible de streamer ce jeu. Tellement il y a d'images à la seconde. C'est vraiment incroyable. Poum poum. Et ouais mon pote. Qu'est-ce que tu prends là? Tac. Hop. Voilà. Victoire juste. Juste une petite victoire. Voilà. Mecha pirate jambière. Ok, on gagne du stuff à chaque fois qu'on on fait ces petits petits matchs là. Mais n'ayez crainte, ma doublure beaucoup moins séduisante se battra à ma place. François ? Ah. Ouais, ouais, doublure. Ok. Oh. Ok, compliqué, compliqué. Compliqué, il est où ? Je veux changer d'arme. Ah! Oh le feu! Ok. Oh putain! Y'a du monde là! Attends. Oh mais putain, il y a du feu partout, comment on fait? Aïe. Ok.
Ouais, c'est vrai qu'au final, on s'habitue vite à avoir une manette de PS5 pour se battre. Je dis ça, je vais crever. Oh putain. On va. Mais toi. Ok, j'ai plus rien. Ok. Boum. Ok. Ok. Oh. Va y crever quand même. Attention hein, attention. Eh ouais mon pote. Bravo. Debout. Là. On booste Clank. Et voilà, je suis la meilleure. Bon, t'as juste mis une pièce dans un radiateur, c'est ok. Ah. Est-ce que tu m'entends? Clank, est-ce que ça va? Où es-tu? J'ai vu la Lombax t'attraper. Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi? Salut. Waouh, ça c'est... Bon, attendez, ok, j'ai quelque chose à vous dire. Le docteur Nefarius s'est proclamé empereur de cette dimension. Il sait quoi? Non, j'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarius. Ah mais, il y en a un deuxième alors. Le renvoyer chez nous, et nous avec. Mais, sans le dimensionnateur... Je crois que nous devons en fabriquer un autre. J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Il saura sûrement comment faire. C'est juste à quelques secteurs d'où je suis, je peux aller jeter un œil. Et nous on fait quoi? Y a-t-il une planète appelée Blizzard 1 dans cette dimension? GG, et je laisse le lurk. Ça marche Igara, merci. C'est pour le GG, et mon lurk. Si j'ai raison, nous disposerons alors d'un nouvel appareil en un rien de temps. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Content que tu ailles bien, mon pote. Toi aussi, Ratchet. Sois prudent, surtout. Ok, c'est clairement son... Allez, mettons-nous au travail. Son équivalent de cette dimension, en fait. Y'a pas de Ratchet dans cette dimension, y'a Rivette. On s'en est bien sortis. Ouais, ça va en vrai. De bronze avant d'aller sur Blizzard 1, avec la récompense. Ça va, ça va. Hop. Ah, le fight là, ok. Je capte. Écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que j'ai pas envie de... rush le jeu, parce qu'il est vraiment cool, franchement. Franchement, un jeu de fou. Il est très beau. C'est très maniable, en vrai. Alors, je m'attendais à ce que la maniabilité sur PS5 soit un peu plus compliquée à prendre en main que ça, mais en fait, ça va. Franchement, ça régale. Et du coup, on jouera semaine prochaine. Je sais pas quel jour on jouera, mais de toute façon... je vous préviendrai sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, bien sûr. Et voilà, de toute façon, en ce moment, c'est du 3 streams. Hein. Ça va être du 3 streams par semaine, donc 2 GeoGuessr, 1 Ratchet et Clank qui est un petit peu plus loin, malheureusement, apparemment. Dans tac, est-ce que, du coup, la musique, si ça marche bien là? Ouais, ça devrait marcher. Ah bah, mais par contre, ça risque d'être un peu fort, on va pas se mentir. Ah non, ça va. Ok, bah écoutez, on va se laisser là. C'était très cool, et comme je disais, on se retrouve semaine pro. Je dirais sur Discord exactement quand. Et sinon, et bah, en attendant, bonne fin de week-end. Bonne fin de week-end à tous, merci d'avoir été là. C'était très sympa. On se retrouve mercredi. Mercredi, je pense, pour du GeoGuessr, du coup, pour certainement le speedrun 100K de la semaine. Est-ce que je vais faire autant de merde que
que j'ai fait la semaine dernière, je ne sais pas. On verra. Et en tout cas, merci. Ciao. Bye bye.